Bon, ça va pas être cool, là. Il faut qu'il ait calé, c'est bon. Cette présentation sur une trinquette. C'est donc le groupe Salta Braz. Vous pouvez les applaudir. Donc merci aux mariniers de Brière. Alors n'hésitez pas à suivre le cortège hein, afin d'aller découvrir l'extraction du Morta. On se trouve à l'extrémité du temps. Voilà, ça commence à être lourd là. Ça commence à être lourd. Ah, regardez. Regardez. Voilà. Voilà du mortin. Vous avez ici deux produits qui sortaient du marais qui sont tout à fait différents, la tourbe là, et le noir. La tourbe, on fait un trou dans le sol, il y en a dessous, et on l'extrait avec des outils que vous voyez là. Tandis que le noir, c'est une décomposition de végétaux et on la trouve au fond des canaux. Alors elle était extraite au siècle dernier par des moyens traditionnels, c'est-à-dire des embarcations qui allaient en Brière, à la perche, qui sortaient ça avec des outils spéciaux. On les mettait sur les bords du marais, on les laissait sécher et on les tamisait. Ce produit était beaucoup utilisé par les maraîchers nantais. Et les Briérons, l'hiver, ils emmenaient ce produit-là jusque Nantes, là-bas. Hein, en partant de l'estuaire de la Loire, ils remontaient le fleuve jusque Nantes. Alors c'était un périple extraordinaire parce que, comme ils n'avaient pas de moteur, bien entendu, et comme c'était sur un fleuve, ils fonctionnaient en chasse-marée. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de vent, on remontait avec la marée, quand la marée commençait à descendre, on s'arrêtait sur le bord, on attendait la prochaine. Alors ça pouvait durer plusieurs jours, même une semaine. Aujourd'hui, l'extraction de la tourbe est quasiment terminée en Brière. On n'en fait plus, sauf quelques associations comme nous qui font, mais pour perturber la tradition. Quoi. Quant au noir de Brière, qui avait été abandonné pendant un siècle, il a repris une activité avec une association qui s'appelle la Florentaise, une association qui est située actuellement à Saint-Marc du Désert. Et donc ils incorporent ce produit-là dans leurs produits qu'ils avaient déjà de jardinage, que vous trouvez un petit peu dans toutes les jardineries. Et c'est un produit qui est très valorisant, puisque c'est un produit complètement naturel,
Et quand vous allez dans la jardinerie, si vous trouvez ces petits sacs-là, et vous voyez dedans, dans la composition de produits, qu'il y a des écorces, de la tourbe et de la terre noire d'ouvrière. C'est la terre noire d'ouvrière qui est dedans. Et donc la valeur ajoutée de la terre noire d'ouvrière leur a permis d'avoir le sigle WWF, qui est donc possible en agriculteur biologique. Alors voilà un petit peu les deux produits qu'il y avait en ouvrière, qui avaient un impact économique au siècle dernier. Pour extraire la tourbe, il y a au-dessus de la tourbe de la terre qui va de 50 cm jusqu'à 1 mètre d'épaisseur qu'il faut retirer avant. Et une fois que la terre est retirée, on a un outil qu'on appelle un salet. C'est un outil comme ça. On l'enfonce comme ça, au doigt, à ce sens-là pour en faire une briquette comme ça. Une fois que c'est terminé, on reprend un autre outil qu'on appelle une houlette. Et avec ça, on le sort comme ça. Et on le dégage. Alors bien sûr, une activité qui a complètement disparu, parce que c'était bien sûr très pénible à faire. Ce qu'on peut rajouter, c'est que sur le territoire, on a la commission de grandes gruyères motières, dont le nom vient de l'extraction de la motte, qui regroupe 21 communes et qui est gérée en indivision grâce à François II, le père de Anne de Bretagne, qui a laissé l'usage du marais, le pâturage, la coupe du chaume, la coupe de la tourbe, la chasse, la pêche aux Briérons. Donc cette commission syndicale, ceux qui habitent sur les 21 communes peuvent aller librement se promener en chaland sur le marais. Après, sur les usages un peu économiques, la chasse, la pêche, la coupe de la tourbe, le pâturage, le chaume, ils payent une patente pour participer aux frais d'entretien. Et ces activités-là sont toujours économiques, sont toujours d'usage sur le marais. Voilà, ça, d'où vient le mot « grande brière motière ». Voilà, merci. Je découvre quand vous voulez la fabrication. Pas trop fatigant. Et à dimanche. Hein? Moi, c'est payé un heure supplémentaire. C'est ça que j'allais dire. Donc je vous souhaite un bon spectacle et à tout à l'heure. Vous pouvez admirer nos trinquettes, donc cette embarcation aujourd'hui rénovée par l'association des marins de Brière. Et à son bord, vous avez un chien, les Stabrages. Thank you.
Le père de Léa avait choisi de rentrer par le marais. À cette période de l'année, le niveau de l'eau est au plus bas. Sur le bas. Nous allons maintenant revivre cette jolie page de notre histoire. Il fallait que deux. Salut, c'est un chien. Non, mais moi, ça permet aux photographes de voir ce qu'on voit. Ah, voilà, oui, au moins. Avec la voile, c'est bien. Non. Elle est là-bas. Change de place. Vous avez pas mis longtemps hier. Ah, oui, mais j'aurais vu le tir bon gamin. 35 minutes, il a déjaugé et il était à 100 dans l'eau. Le hasard a fait que les eaux étaient devant. Un petit peu le sud est encore tenu parce qu'il y a quand même pas mal de bâtiments. Léa avait regardé défiler le paysage de son enfance. En remerciement du miracle de sa guérison, son épouse, la reine, Anne de Bretagne, avait décidé de venir prier en terre bretonne. Elle était partie de Blois, en carrosse, pour rejoindre sa ville natale de Nantes. Puis elle avait embarqué avec sa dame de compagnie et son chevalier d'honneur à bord d'une chaloupe marinière pour rejoindre le pays irlandais. Lorsqu'elle était enfant, Anne avait trouvé refuge au monastère Saint-Yves de Guérande. Depuis, elle était restée fidèle au souvenir de cette grande ville fortifiée par son père. Être
traversée du marais s'était faite en silence, entre recueillement et contemplation. Anne de Bretagne, reine de France et bretonne de cœur, redécouvrait avec humilité le pays des eaux dormantes. En 1784, le roi Louis XVI répond à cette supplique par des lettres passantes. Nous fermons nos bêtes et leurs bestiaux, d'y couper et prendre des mottes pour leur chauffage, d'y prélever le fourrage et la litière. Voilà, j'arrive là-bas. Colette, elle me dit. Allez, pas la salade. Voilà quoi.